qui s'occupe du DJ. Mais de quoi tu parles? Il veut pas laisser sa place. Va bien falloir couper son micro. Trois soldats contre un gros cul et son iPod. Ça, je suis pas inquiet. Faut toujours s'attendre à tout, Adams. L'adapter et gagner, mec. Ouais. Et faire le nécessaire. Ouais. Bon. On va où, Lugo? Au nord. On passe par les toits. C'est vrai, nous mener à lui. On y va. Passons par les toits. Ta-na-na-na-na-na. Et là, il y a deux informations dans ce niveau. Où ça? Oh. Que ce soit nous qui cherchons. La tour radio, je dirais. Des renforts. Génial. Bien vu. Au contraire, il faudra un petit entraînement au tir. Ah bah, comme si on en avait pas déjà assez eu. Hein. Ah putain, heureusement que j'ai pas le vertige. Il doit pas être loin d'ici. On y va en douceur. C'est ça? Tu vois, t'aurais mieux fait de pas venir. On n'est pas prêts. C'est pas moi qui suis croisé avec vous. C'est vous qui l'êtes. Ouais. Bon, on est dans la merde un peu. Bonjour. Bon, la discrétion, c'est pas notre fort bon mot, hein. Et t'enlève pas. Bon. Ah, salut toi. Donc on a toujours nos bonnes armes. Bonjour toi. Je crois que je l'avais pas vu. L'ennemi est abattu. Bonjour. C'est quoi ce truc? Non mais le mec, il a fait un arrêt cardiaque. Génial. Non mais alors là, le mec là qui fait un arrêt cardiaque. Ouais, lui aussi, il y en a, ouais. J'adore ce magnum. Ok, on va essayer. Voilà. Un putain de sniper au moins. Et je vois où il est. Voilà. Et Mouloud, sors de ta cachette. Molle. Mouloud. Il est là. Voilà! C'est qui le meilleur là? Ok, il y en a encore. Il y a encore un con là. Je vois. Et voilà. Et lui, il va tomber. Hein. Je dois essayer, colonel. Ah, colonel, ça faisait longtemps. Ouais, c'est rien. Enfin bref. Alors, boum boum boum, fouillons un peu le coin. Ah bonjour, l'info. On va consulter. Bien, colonel, appelez-moi John. Oh, oui, colonel John. On commence? Vous n'en
n'enregistrez pas ça, n'est-ce pas? Quoi? Non. Bien sûr que non. Bien. C'est que les gens ont besoin d'entendre mes paroles par ma voix. Je comprends parfaitement. Oui, je pense. Vous avez été un ami ces derniers mois. C'était important de savoir que quelqu'un écoutait. C'est très gentil de dire ça, colonel. Vous faites quoi, là? Oh, désolé. Ce stylo ne marche plus. Je dois en prendre un autre. Ah, ok. C'est sympa. Bon, bref. Donc là, on commence à halluciner grave, hein, vous remarquerez, avec ce soir, moment. Oui, je sais ce que vous faites, et je me pose quelques questions. Pourquoi passer son temps à cogner les gens, et avec un flingue en plus? C'est inutile et pas très pratique. Marre-toi tant que tu peux, du coup. Si c'est une invitation... Non mais j'adore. Entre le colonel machin qui nous parle de temps en temps et l'autre, l'homme de la radio. Merde, il faut dégager la zone pour passer. Pas de problème. Adams, tu les repères. Lugo et moi, on les descend. C'est un plan qui va. Choisissez votre cible, capitaine. Je prends l'autre. Le problème, c'est que je les vois pas, vos snipers, hein. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'adore, vous l'avez buté, putain, je l'aimais bien. J'adore cette phrase. Ouais. Oh putain, par contre, là, ça devient chiant. Oh, enfin, là. J'adore ce mec de la radio. C'est sûrement un de mes persos préférés avec Hugo. Sûrement même mon perso préféré quand même. Bon, c'est bon. Non, un peu, non. Mais ouais, personne n'y pense jamais. Bon, bah, allons-y, c'est l'heure d'un petit passage à la tyrolienne. Ouais, ouais, je t'en prie, vas-y d'avance. Vous allez nettoyer tout ça après, hein? Ha! Non mais mec... C'est le jeu vidéo. Non mais l'autre, il me fait rire. Le temps nous est compté, messieurs. Connaissant Conrad, les renforts doivent déjà être en route. À toi de jouer, Hugo. Je veux que cette radio soit opérationnelle dans 2 minutes. C'est clair? Vous en faites pas pour moi. Je connais mon Hugo. Hein? Ah, info. C'est avéré que notre DJ préféré s'appelait Robert Darden. Il a bossé pour Rolling Stone pendant des années. C'était le Hunter Thompson de la presse People. Darden avait déjà coupé les ponts quand on a débarqué. Mais à voir ses notes, on dirait bien qu'il s'est essayé à du vrai reportage de terrain. Des notes sur l'histoire de l'évacuation, la tragédie, les pertes humaines. Il s'est peut-être senti plus concerné en passant du temps avec les soldats. Qui sait? Mais c'est vraiment dommage que Bob Darden ne rende jamais sa copie. Notre présence ici coûte de plus en plus cher. Ça sous-entend plein de trucs. En tout cas,
Un nouveau succès à partager. Oh, j'adore, j'ai une tonne de succès à partager à chaque fois. Je vais tous les débloquer. What the... Enfin, ouais. Allez, j'ai pas de mon kiki. Hop, 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 hop. Alors... Bonjour. Salut les gars. Comme si c'était un vrai. Le retour, Lugo. Tu es dessus. C'est du bricolage, mais ça devrait quand même aller. C'était quoi ça? C'était les voix? Du calme, gros dur. C'est juste un écho nuageux. On entend ça tout le temps. Quoi? Les signaux qui rebondissent sur le mur. Mais c'est qui s'y connaît, le petit jeune? Oh, c'était facile. Vous avez bâti un système radio complet à partir de pièces détachées. Ça, c'est balèze. Oh, ben... Vous l'avez dit, pas moi. Je vois que vous avez boosté le transmetteur, mais... Jusqu'où ça peut aller, ce truc? Vers l'infini et au-delà! Le mur. C'est la même chose. Impossible. Homme de peu de foi. Vous êtes en direct sur les ondes, là. Essayez donc. Quoi? Wow. C'était plus facile que prévu. Merci. Lâche-moi, bordel! Putain, mais t'es malade! Tu te fous de moi, tu débarques ou quoi? C'est à cause de lui qu'on avait tout le temps le 33ème au cul! Il a jamais eu l'intention de nous laisser partir! J'ai fait ce qui était nécessaire! C'est pas à toi de prendre ces décisions! Eh ben, je l'ai prise! Et je t'emmerde! Ça suffit! On parlera de ça plus tard! Si jamais quelqu'un m'entend, je dirige une équipe d'évacuation américaine. Nous sommes ici pour vous secourir. Mais avant, le 33ème doit payer pour ce qu'ils ont fait. Vous me décevez beaucoup, Walker. Vous ne voyez pas? Personne ne peut quitter Dubaï. J'ai essayé. 1300 hommes, femmes et enfants, tous morts. Si vous ne voulez pas apprendre de mes erreurs, je ne peux rien faire de plus. Vraiment rien. Ah ouais, ça compte. Non, on est piégé. Cet hélico est notre seule porte de sortie. Mais il y a un tas de flingues entre lui et nous. Dans la tour. Allez. Allez-y, vous deux. Je vous couvre d'ici. Pas question. Pas le temps de discuter. Allez-y. Tiens, encore des nouvelles troupes. Tiens, des nouveaux ennemis. Lugo, dès qu'on arrive. Enfin, je sais pas si c'est des nouveaux ennemis ou si c'est les Zoulous. Vous en faites pas pour moi. Allez-y. Alors ça a l'air vraiment d'être de vraiment de nouveaux types d'ennemis. Je suis à sec. Ah bah si, c'est les Zoulous. On les reconnaît à leur arme là. Ah, on les revoit enfin. Parce qu'on les avait plus revus là, dernièrement. On est presque dehors, Lugo. Oh merde, 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 merde. Oh, allez. Voilà. Continue d'avancer. Go. Ah, il y a aussi des soldats normaux. Alors là, on a un mélange entre les Zoulous et les ennemis normaux. Allez, on y va! Allez, on va essayer de s'enfuir. Dommage que Lugo soit plus avec nous. Ennemis à terre!
Merde, flinguez ce connard. Ouais, là, merci. Voilà, tu vois. Je recharge. T'as fait de l'ouvrir. Donnez-moi une cible. Où est-ce qu'ils vont? Buste le tireur près des réservoirs. Envoyez-vous jusqu'à l'hélico. Allez-y. Vite. Démarre-le, Adams. Ok. Allez, allez, allez! Lugo, bouge-toi, allez! Je suis déjà en route, couvrez-moi! Et voilà! J'arrive! Faites gaffe avec ce truc, ok? Ah merde, oui, c'est lui! Et il fonce droit sur nous! Non mais. Sérieusement? Sérieusement? Mais je peux rien faire là, à ce rythme-là. Attends, mais c'est... Non, mais sérieux. Je peux rien faire. Attends, les mecs, ils m'ont tué sans problème. C'est ça que je déteste avec ce genre de système de vie, tu sais, quand l'écran s'assombrit. C'est que quand ça va rapidement, tu te rends même pas compte que t'es en train de crever. Regarde, par exemple, pour moi, là, j'étais bien portant. Pour moi, là, j'étais pas en train de mourir. Ce qui me fait un peu chier. Et puis franchement, on meurt trop vite en facile, faut pas déconner là. Qu'est-ce que je passe? Et par contre, lui il va mourir. Toute votre famille. Le tout péter. Ah, t'inquiète, j'ai prévu de tout péter. Je vais voir ce que peut faire ce truc. Ouais, mais tu vas pas me dire qu'une minigun ça arrive pas à le descendre, le mec là. Ah, c'est sympa les dégâts là. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un truc illimité là. C'est pratique. Ha ha!
Ah non mais j'adore, tirez-vous de là. Ah non mais ce chapitre c'est génial quoi. Les mecs. Ah non mais franchement là. Respect. Bon bref. On va détruire le reste de la ville, non? Allez Hans, fais-nous sortir de là, fais ça! Oui, chef! Mec! Qu'est-ce qu'il y a? On a de la compagnie! Attends! Il y a un truc qui va pas! C'est trop tard maintenant! Non, Seigneur, on l'a déjà fait ça! Comment ça? On s'en fout! J'ai rien à ça! C'est blé, ce fils de pute! Y'a un truc qui va pas, on l'a déjà fait! Non mais franchement! Oh non mais c'est génial celle-là! Non mais... Oh merde, y'a des missiles! Cette fois-ci, hein! Ah c'est pas aussi simple que la dernière fois! Allez, crève, hélico. C'est pas grave, continue comme ça. Un autre missile verrouillé. On vient de finir le chapitre 12 des toits. En zoo, Dubaï est condamné. La Delta se dirige vers la tour de sur Adios dans l'espoir d'organiser une évacuation. Ah bon, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Bon, par contre, ce que j'ai adoré, c'est le. Eh, hey, mais on l'a déjà vécu, ça! Ça a été génial. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se revoit dans un bon moment. Au revoir!